Étape 8, réveil compliqué ou pas? Non, mieux qu'hier. Mieux qu'hier, t'as Non, bien dormi? ouais, quand même. J'ai mieux dormi qu'hier, ouais, ça c'est clair. Mais tu vois, c'est bizarre, j'avais l'impression que Ricardo était plus près parce que j'ai bien entendu ronfler cette nuit. Ah Et je oui. pense pas que ce soit toi. Non, je sais pas. Donc c'est bizarre, mais. Ouais. Oh. Voilà. Voilà où on était. Et Ricardo est là-bas. Oh putain, il est trop d'armes et tout là. Faut savoir que nos duvets sont encore trempés. Donc en fait, au lieu de porter 1,6 kg de duvet, on doit porter 2 kilos, plus de 2 kilos de duvet parce qu'ils sont mais trempés de chez trempés, quoi. Moi, je suis obligé de dormir en imperméable parce qu'il est trempé, quoi. Mais comment ça se fait qu'elle sort de mon côté, Mais elle? parce qu'en fait, il y a plus de place, moi, il y a l'arbre. Elle se fout de ma gueule. Quoi? En plus, elle met ses odeurs sur mon matelas gonflable, quoi. Ouais. Et je me suis pas lavé depuis le début de l'aventure. C'est excitant. Hier, on était là-haut. On a descendu, tac, on a fait une sorte de U. On est arrivé dans la ville. Et on est remonté tout ça, donc de nuit, hein. Et là, on dort là-haut. On a dormi là-haut. Juste après le croisement des deux sentiers. Donc là, on a le choix entre la basse route ou la haute route. Donc nous, on va choisir de monter un peu plus haut pour profiter du paysage. La météo ici change toutes les 10 minutes. Un coup il pleut, un coup il fait soleil. Un coup il pleut, un coup il fait soleil. Et du coup, c'est difficile à gérer, hein. Petite pause pour attendre Ricardo et Christelle. On a une petite vue sur le lac du Loch Ness là. Et on doit être à 8 km de la ville. Et il repleut.
Faut pas changer. Les habitudes. Trois burgers. Voilà, dernière nuit en tente. Donc 9 jours sans se laver, ça commence à bien sentir dans la tente. Et en fait je fais cette petite vidéo, c'est pour ma féliciter Christelle, parce qu'elle est arrivée jusque là, et je pense que c'est la moins sportive de nous trois. Et bah, bravo, parce que franchement d'être arrivée jusque là, voilà, je voulais te féliciter. Et bah, demain il reste plus que 18 km. Et on aura fini ces 280 km. Mm-mm. Un grand bravo à toi. Merci. Ça n'a pas été toujours facile de suivre, mais je voulais pas lâcher. Et même si j'étais dernière, souvent, je me disais c'est pas grave. Enfin, autant que tu avances, c'est bon. Voilà. Et merci à Ricardo aussi, parce que il a été un grand soutien et toujours la positive attitude, quel que soit les moments, il a toujours été là. Donc, merci Ricardo. Allez, bonne nuit, hein, à demain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube Marseille Provence Productions.